Bonjour, de retour à Troyes, ici une belle petite nave en direction de Loetnia. Alors, introduction aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, notamment un peu de la météo. Alors justement, concernant la météo, j'ai mis la météo réelle. Donc on a un variable 5 nœuds, ouais, visibilité, d'accord, 17 degrés, ouais, il n'en dit pas plus que ça, ah si, ouais, il y a un métard là-haut, 15h30, variable 3 nœuds, 9, 99, 10 km de visibilité, non, 4 nœuds, et bien on va vérifier ça tout de suite, voilà, 3. 15h30, variable 3 nœuds, 9199, CV 1708. Bon, mais ça a l'air d'être ça. Hein. Ça a l'air d'être ça. Ok, très bien. Qu'est-ce que j'ai de beau là? J'ai également Vatry. Vatry qui est quelque part par là, mais je ne le vois pas sur la carte ici. Voilà. Vatry. Alors, 130 variables. Ah, c'est pas tout à fait la même chose. Ah non, c'est 3. Bon. Voilà. Et en comparaison, ici, on a Auxerre. Et l'effet là. Qui est ici. Bon. Donc, météo réel, histoire de. Ensuite, qu'est-ce que j'ai préparé? Évidemment, le log de nave. Donc, je l'ai écrit aussi pour le suivre à la mano. Celui-ci, on ne le verra pas souvent. Donc, on part de 3. On est garé ici. On va rouler. Décoller. Et justement, décoller, premier cap. 333. Ça tombe bien. Il est écrit ici. Que le décollage, virage à gauche dès que possible. À 1000 pieds. Bon. Très bien. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, ensuite, quoi de beau. Donc ça, ce sont les différentes informations météo que j'avais prises, mais on va pas s'en occuper. Bon, alors, Little Nav Map. Il est bien branché. Ici, alors justement, voilà à quoi ça ressemble, le tracé Little Nav Map, on commence à avoir l'habitude. Et là, depuis peu, j'utilise navigation. Donc voilà, ça je l'ai gardé pour info. Voilà à quoi ressemble, alors ça c'est celui de l'UGN. Et ça c'est celui de navigation. Échelle à peu près 5 km, si vous... Là, c'est au 250 millième. Donc, on va partir en Glure. Ensuite, la Ferté-Gaucher. Et ensuite, alors, pas l'eau directement, mais le point écho. Ça, tout à l'heure, je l'avais pas fait depuis, je l'ai corrigé. Pour la petite histoire, voilà à quoi ça ressemble avec la carte IGN. Donc, on va traverser la rivière. Arriver ici. Qu'est-ce qu'on a de beau, une route comme ça? En fait, c'est un gros croisement de route. Et ensuite, on part donc sur le cap suivant. Peu de temps après, on traverse une forêt. Donc, si on est trop au-dessus de la forêt, on saura qu'on est trop à droite. Si on n'est pas assez au-dessus, on saura qu'on est trop à gauche. Évidemment, ici, il y a Nogent-sur-Seine. Donc, on va éviter d'aller dedans. Forêt qu'on voit bien ici. La Ferté-Gaucher, et ensuite direction écho, ici. Mais en fait, en pratique, on va suivre ce chemin-là, et dès que je verrai ça ici, hop, j'irai me mettre là. C'est le point de retour habituel.
Bon, donc ça, on va le garder comme ça, juste pour la forme. Celui-ci, évidemment, je vais le garder puisque c'est là-dessus que je vais regarder la carte. La carte, hein, le suivi topographique. Celui-là, je peux le fermer. Et celui-là, non, pour l'exemple. Très bien. Quoi d'autre? J'ai pris la carte de la Ferté-Gaucher à toute fin utile. On verra bien. Donc, sur le log de nav, on a les informations. Bon, je ferai un peu de radio, peut-être pas, je ne sais pas. Et j'aurais mieux fait de lancer le moteur. Pour l'instant, il rouge. Donc, on y va. Alors, est-ce que j'avais refait ça? Non, je crois pas. Voilà. Petit problème tout à l'heure. Alors, on a le trim, on a position de décollage. Texture. La batterie, ok. Je me suis mis également en heure système. Donc il faut arriver avant la tombe de la nuit. Alors, regardons la carte. Tout droit, ici, là et là. Alors il y a une préférence comme ça. Aujourd'hui, je facilite les choses et je décolle comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Déjà se mettre sur la bonne radio si on n'y est pas. 123, 725. Ok, on est sur la bonne radio. Le SIV 134.3. Ça zappe. Et on a également le VOR de 3, mettre à 343. Préparer le 165. Donc on a dit 340 000. Donc, quand il indiquera 343, c'est-à-dire celui-ci, 343, c'est le trait qu'on voit ici.
70, 80, 90, 310, 20, 30, 40, 43, c'est qu'on serait arrivé à Angleur. Et l'autre, hein, je l'ai mis en secours. Évidemment, l'autre, il faudra être capable de le changer rapidement. Si on veut s'en servir. Bon, 3 minutes. Donc, on ne fait pas les checks, etc. Oui, je l'avais enregistré tout à l'heure. Bon, 3 de Fox Golf Zulu Sierra Lima Bango. 3 le Fox Sierra Lima au parking Aviation Générale. Je roule pour un départ sur la 35. Est-ce que ça porte un nom, ça? Je sais pas, je vois ça pour la prochaine fois. Allez, on lâche le train, on va voir. J'ai une biroute bizarre. Ce bon gag, c'est quoi ça? Il y a quand même un problème technique ou pas? Bon, allez, on va repartir de l'autre côté. Bon, découverte de la scène. Hein. Oui, tiens, je voulais vérifier ça, on va voir s'il a bien démarré. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. C'est pas un problème de la scène, c'est un problème du pilote. Voilà. Alors, est-ce que c'est un problème du pilote? Là, le pilote découvre la scène, il fait plus de procès. D'accord, donc je m'attendais à la voir en dur, mais c'est pas le cas. Bon, donc on va remonter la piste. Ça commence bien. Bizarre cette histoire. Ah non, c'est le truc. Ok, bien. À revoir ça. Là, il y a les plots là. Donc c'est moi qui suis pas mal. Voilà, on découvre.
fait partie du jeu. D'accord, ok, on arrive là. Ici. Très bien. On refait ça en vrai garçon. Et maintenant on va parler du pays. Bon. C'est le gag du début. Donc la scène évidemment était bien faite. Que dit 353. Bon, ben ça va. Hein. Bon, il est pas bon. Un cran de volet. Bon, je vais pas laisser le moteur, etc. Un cran de volet. Là. Donc, un cran de volet, la pompe, les phares. Le top, je le note, il est 0,7. Plus 11, ça fait 18. Trois de Fox Sierra Lima aligné 35, je les connais. Le premier cap, on a dit 334, bon actif, pas d'alarme. Ça fait une montée initiale, c'est normal. Comme ça, c'est mieux. Pompe 0, phare off, volet 0, et on prend le 300. 5 1400 pieds, ça se tourne comme il faut. Et maintenant c'est parti, donc altitude initiale 2500 pieds. On a le cap, on passe juste au-dessus de la départementale, on est à 1400 pieds. Oh, bah c'est bon. Montée initiale normale. Ça fait commencer le trip. On va voir. Non, trop. Encore sous pied. Altitude. 2450 tours. Et l'assiette. Ça se cule, ça se cule. Tiens, ça cule. On n'oublie pas le cap. À droite. On est parti. Alors,
en fait point. Bon, sur celui-ci c'est normal. On a le cap. Petite turbulence, on dirait. L'altitude, ça va. La vitesse, bien. Bon, faut qu'on garde maintenant. On passe au-dessus d'un patelin. Et on suit la carte. Trim. Ah, on va vers là-bas. Alors, il y a un patelin ici, sans doute celui-là. Et ça me paraît plus tard, une partie de la route. Alors, on vérifie le cap, la vitesse, l'altitude, et on est symétrique. Des champs, à gauche des champs, une ville, cap qui veut changer, non, donc 7 et 11, 18, 18 à angle, et on passe au-dessus de la forêt. Ça part sur la gauche. Qu'est-ce qu'il y a, Skygraphic Activation Time? Ok, je suis content. Donc en face, on a de la forêt. Et là, on est en train de quitter cette partie-là qui tourne de gauche. Ici, 5 minutes de temps de vol. On voit bien quelque chose qui fait ça. On a quelque chose qui fait ça. Donc on ne va pas. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Les lignes de tension sont indiqués là. Donc on est bien quelque part par ici. Ça arrive à la vitesse de la lumière donc là-bas. 18 effectivement, il est 14. On se fait secouer. On se fait pousser à gauche. On peut mettre 3, 4, 0. Cap la vitesse, cap à droite peut-être.
Alors ces vibrations là, c'est le dernier logiciel qu'on installe. Puisqu'on va passer un petit moment. Là, il n'y a pas de site à contacter. Alors, on a quoi? Voir. À droite, à gauche. Est-ce que ça se voit ça? Ouais. Et 16 dans 2 minutes. Et on se barre à droite. Je dirais que c'est par là. Je finirai par avoir le droit. On prépare donc top dans 2 minutes. On sera donc là en bleu. On prendra un cap de 9,7. On vérifie le compas et le gyro aussi. 340. Hop, je suis prêt. Ouais, on maintiendra à la même altitude, 2500 pieds, au cap donc 300. La radio, il n'y en a pas puisqu'on a du contact là-bas. Et la nave, bah, normalement, il devrait tomber dessus à zéro au moment de passer sur la Lune. On cherche. On a une rivière transversale, une route qui monte comme ça dans notre axe. La rivière transversale, effectivement, ok, c'est ça. Ça borde les rivières, me disait l'instructeur. Les arbres bordent les rivières. Clac, ici ou là, il partirait plus tôt. Voilà. On a une ville là. On approche, ah, ok. Il y a également le chemin de fer qui arrive, qui va repartir sur la droite en face. Bon, il paraît assez probant tout ça. Là, j'ai complètement perdu le cap puisque je suis au nord. Forcément. Vers ce que je veux. Il faut quand même que je passe pas trop au-dessus de la ville. Alors on va faire un top qui va prendre pas longtemps. Villa, ça, bon, ça va être une rivière. 2400 pieds, on a dit 290. Et il est 19, quasiment 20. On a un peu de retard avec le vent, donc 290. Symétrique et altitude constante. De 9 sur 7 en fait. Symétrique pas tout de suite. Et altitude constante.
serait secoué. Par contre, lui, là, j'ai pas vu. Ok, donc il est. Il est 20 plus 14, 34 pour la Ferté gaucher. Est-ce qu'on a plus de temps après? On va croiser une grande route là, à peine 5 minutes. Tiens, ça c'est pas une voiture à faire ça. Chemin de fer. Ça, c'est une voie de chemin de fer, on peut très bien être par ici. Ça veut dire qu'on aurait dû passer. Enfin, là-bas, il y a de la forêt. À gauche, pas évident. Donc, je supposais qu'on peut être par là. Faire attention. Ce que je comprends pas, c'est que je vois pas de patelin ici. Ah! Autre explication. On est là. Ville. What you want to faire? Et pas de forêt. Là, le seul point de repère qui peut être utile, je ne l'ai pas mis. Je n'ai pas activé. Quel blaireau. Bon, ben, ce sera que plus intéressant. Eh bien, on va vite se baser sur un bord. Ah,
CAV 112-9. Alors, 1165, c'était lequel? Donc batterie. Batterie à droite. Par rapport à ça. Donc si je suis là. Il est là. Clac, ça va faire les. À gauche. Hop là. Donc, étant sur le bord, si je suis le bord ici à 270, ouf, je serais carrément mort. Un truc que je comprends pas. Comment est-ce que j'aurais pu me morder autant que ça? Le 1165. 1165, il est là. Très bien. Quelque part ici. 114.1. Brouillé. Ok, 32 mètres donc. 30 degrés ici, je suis du côté d'Éternay. Éternay, ouais. Bon, ben donc ça veut dire que je suis complètement vautré, je suis là. Donc je vais prendre à gauche, Ferté Gaucher. Ici, 240. Pour redescendre et l'avoir sur ma droite. Ok. Je reste sur le bord de Paris. Donc, je descends de 20 degrés. Sur le bord de Paris. C'est bien ça. Ah.
deuxième fois qu'il me fait ça. Bon, alors. Bon, j'ai perdu le trait de guerre, mais j'ai retrouvé la vue. Bon, alors. Arrête, mais là, si je tourne la tête comme ça, ça va. Qu'est-ce qu'on a de beau à droite? On a une route qui part dans la direction qui m'intéresse. C'est en train de me foutre en l'air toute ma signale. Ah merde, faut pas que j'appuie sur le bouton. Bon, alors où est-ce que je suis? Quasiment au nord. Bon, bah, on va dire que je suis perdu. Ça pour avoir voulu tester ce truc là. Bien, on apprendra. Alors, on a un cap ouest, c'est pas bon. On a prévu 34, il est 34. Chemin de fer. Né à la Ferté Gaucher, faut pas rêver, admettons. Probable. Après m'être perdu et avoir fait ça, c'est que je sens ça. Si ou là. En tout cas, c'est une ville importante. Il est temps que tu vas la faire qui bouge. Il est 35. Donc je vais indiquer 35 au point. Inconnu. Et je fais une route. Ça aide pas de pouvoir traquer. Hein. Wow. Alors l'altitude elle est bonne, ça. Chez cap ouest route 266.
Ouais, finalement, on prend un groupe de 170, on va rentrer à la maison. Ça me va. Donc, il y en a une qui fait ça. Si je suis au-dessus, il y en a une qui fait ça. Si je suis là. Bon, c'est plutôt pas mal. Et 235 avec un cap magnétique. Ah, ça y est. Alors, réfléchissons un peu, je suis au-dessus, c'est normal puisque vous êtes monté tout à l'heure. Voilà. On a retrouvé le traquière, ça fait du bien. Ok, alors là, j'ai le cap sud, 240. Ah, tiens, parce qu'on voit. Ça me fait penser à ce qu'on voit quand on arrive à Coulommiers. Coulommiers en face. Avec une route qui vient ici. Coulommiers ici, une route là. Donc c'était bien la Ferté-Bauchet. Très bien à ce moment-là. Qu'est-ce que je vais faire? On s'en fout, je vais passer au-dessus. Vertical Coulommiers, on rentre à la maison, c'est ce qu'il y a de ça c'est bien. Et je vois juste à gauche à 45 degrés quelque chose qui devrait être aérodrome. Alors, Coulommiers, je l'avais noté, LF 122. Bon, c'est un vrai trafic. Alors, voilà. Ici. Coulommiers du Fox Golf Zulu Sierra Lima, bonjour. Coulommiers le Fox Sierra Lima en provenant de 3 destinations de Logne. Installation en vue 2700 pieds pour un transit. Sud de vos installations estimées à 41. Je rappelle vertical, fonctionne. Par contre, là, 2500 pieds, on a intérêt à se poser des questions. Coulommiers, 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 on entre dans la zone à 2500. Ok, on va se mettre en verticale à 2000. Coulommiers à gauche. Donc, je suis curieux de savoir ce qui s'est passé. Alors par contre là j'ai pas dû reprendre tout à fait les mêmes. Ah c'est mieux là. J'ai pas le même problème qu'avec Corsair.
dernier, Fox Sierra Lima, verticale, installation 2000 pieds pour un transit vers l'Ognia. Peut-être lui dire que j'arrive de l'est. Ouais, je suis bien verticalement muni. Et on peut commencer à descendre. Terrain de golf en face. On prépare. Alors, 125. Bon, alors ça c'était le Réatis. Et là, je me dépêche de rejoindre la bonne altitude. Et j'aurais dû prévenir qu'on avait terminé. Tiens, j'étais pas sur la bonne fréquence. Bon, tant pis, on n'a pas fermé avec eux. On rentre à la maison, 1200 pieds et je règle. Voilà. Alors on cherche les repères. J'ai pas noté l'information. Information kilo. Donc on est sur 118 décimales 6. L'ogne du Fox Golf de Sierra Lima. Bonjour, avec l'information kilo à 2 minutes du point écho. Bon. On est un petit peu haut. Hein. On devrait être à 1200 depuis tout à l'heure. Hein. Donc on va dire qu'ils nous disent de transport 37 Ligne Fox Sierra Lima Transpondeur 3732. On rappelle Echo Fox Sierra Lima. Alors là, traquière, hein, la masse. Ok. Ah ben ça fait du bien de se retrouver comme il faut. En dune.
mais on voit déjà le papy lapin. Pas normal ça. 1200. Ah bah oui, d'accord. J'ai pas entendu de variation du moteur, moi. C'est pas normal, ça. Voilà, écho. Logne, Fox, Sierra Lima, on passe écho. Numéro 1 sur la 26 dure, on vous rappelle, final, Fox, Sierra Lima. Port. Et à partir de maintenant. Alors, pompe. Dans l'axe. Pieds, pas dans l'axe, c'est trop rapide. Il est pas bien convoyé tout à l'heure, dis donc. Alors, pompe. Réchauffe, deux grandes volées, les phares, on est dans l'axe, 1700 tours, 140, pas dans l'axe. On va. Logne Fox Sierra Lima en finale, 26 durs. Pas aligné, pas dans l'axe, on remet les gaz. Assiette.
et il est 51. Donc voler 0. Pourquoi il n'est pas remonté cette réflexion? Qui va pas là. Putain, je suis traviole. Pas de marché, c'est super comme faux. Fox Sierra Lima en vente arrière, point complet sur la. Alors on a un cran, on a la réchauffe, on a la pompe et les phares. Numéro 1 sur la 26 dur, je rappelle, en finale, il faut que c'est vrai. Ok, on y a le coup là. Il scinte son tour. Assiette de descente.
Qu'est-ce que j'ai branlé là? Où est-ce que je suis là? N'importe quoi. Fox Serral, Fox Serral Lima en finale pour accomplir sur la 26 dure. Les deux pompes, les deux crans, la pompe, les phares, les panneaux, la check. Il va y avoir un courant d'air là que je sens évidemment pas. La réduction des dégâts, c'est pour quand je veux. Hein. Ce bruit de pompe, il est infernal. Bon, ben c'est très mauvais. Et là, j'ai toujours cette impression d'être décalé. Un peu dedans quand même. Alors, on monte les volets, on a coupé la pompe, la réchauffe, on garde un seul phare de relâche, c'est bien. Le sol, le Fox Sirelima 26 du redégagé, demande au roulage pour partir avec Sadi. Je roule et je quitte à s'habiller, au revoir. Bon, 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 bon. Eh ben, va falloir analyser maintenant pourquoi je me suis perdu. Ah, mais ça y est, si c'est bon, j'y retourne. C'est le vent.
et les deux freins et dans l'axe de son tour en coupe. Voilà. Arrêt 18-02. Pas de tricherie possible. Bon. Alors maintenant, on va essayer de trouver. Le bon angle pour attraper ça. Ah, depuis que j'ai installé ce truc. Et j'ai pas tout paramétré, c'est pas forcément simple. Alors. Et le bilan de carburant. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Weaver, on est toujours en Active Sky. Alors, je vais noter les informations. Couper moteur à 18.02. Arrivé, j'ai dit quoi, à 51. Donc. Décollage 50. Bien. Alors, j'ai neutralisé la caméra, c'est bon. On le met en pause et on va regarder le tracking. Ok, compris. Compris. Bon, donc ça veut dire que j'étais bon jusque là. Et là, j'ai pas fait gaffe, paf, j'ai tiré à droite. Je ne l'ai pas vu. Ouais. Pourquoi je suis arrivé là? Ça, c'est une chose, mais on peut plus les timings. Heure prévue 34. Alors à 20, j'ai noté à 20 au lieu de 18. À 20, j'ai fait le tournant. Donc ça veut dire qu'à 20, j'étais ici. Ouais, c'est ça, puisque j'ai pris le cap, la bonne route en fait. Clac, comme ça. Là d'accord, c'est parallèle. Très bien. Ça, cette route, je l'ai bien vue. À ce moment-là, je ne supposais pas que j'étais si au nord que ça. C'était pas une route de chemin de fer. Bon, soit. Arrivé ici à un moment donné, j'ai bien pris. Alors.
on va mesurer la distance à partir de. Voilà. Quand j'ai fait ça, j'étais sur un 16 degrés. Moi, j'avais visé un 10 ou un 20. Un 20. Clac. Et là, après, la route qui mène à l'ouest. Donc, on la suit. Ça, c'était une bonne idée. Je sais plus si j'ai détecté la fête à gaucher, peut-être. Par contre, ça ici, ça faisait penser fortement à ce qui mène à Coulommiers, c'était bien ça. Donc, et ensuite, bon, c'est très bien. Classique. Sauf que j'ai mal géré la longue finale. J'ai dû vouloir passer à vitesse, à bonne vitesse trop tard aussi. Il doit y avoir du vent. Pou, 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 pou. Pas bon du tout, remise de gaz. J'étais pas bien sur le circuit, mais ça m'étonne pas. Je me suis mal engagé ici. Traquière a joué des mauvais tours, je pense. Ok. D'accord, donc quand j'ai fait le virage, c'était bien comme il fallait, sauf que là, ce truc merdeux. Bon, mais c'était pas joli, joli ça. Soit. Très bien, mais voilà ce qui se passe. Hein. C'est pas mal, une simulation comme ça. Bon, sur ce, on va aller faire un petit tour à l'extérieur quand même. Et donc, pour la petite histoire, là c'est la scène en version P3D V4. Ok, très bien. Allez, à la prochaine. Normalement, il note ce soir. Il est 18h. Bye bye.